Bonjour à tous, aujourd'hui un unboxing consacré à un produit rare. J'ai nommé le kit de water cooling Cooler Master ML360R RGB TR4. Un nom à rallonge, on vous l'accorde, mais en témoigne le packaging. Cooler Master annonce la couleur, enfin plutôt les couleurs, puisque cette version déclinée pour les processeurs AMD Threadripper TR4 de son kit all-in-one MLR360R est toutes de RGB vêtues. Quoi qu'il en soit, le constructeur a mis les petits plats dans les grands pour refroidir votre PC. Le bundle du MLR360R TR4 est ultra complet, notamment du côté des accessoires de montage, avec de nombreux câbles, adaptateurs et visseries. On retrouve bien sûr des ventilateurs, 3 de 120 mm qui disposent d'une connectique standard et qu'il faudra associer au radiateur en aluminium. De son côté, la pompe double chambre est tout aussi bien finie avec son top rétro-éclairé, orientable et amovible, sans oublier la présence d'un boîtier de contrôle pour gérer le RGB. Au final, avec ce MLR360R RGB TR4, vous aurez un PC silencieux, bien refroidi et brillant de mille feux. Merci à tous de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de follow la chaîne Twitch Matériel Net Life pour nous retrouver en direct. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouvel unboxing et d'ici là, prenez soin de vous, salut. Bonjour Twitch, bonjour YouTube, bienvenue pour ce nouveau live. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas qui est parmi nous aujourd'hui, vous ne connaissez pas Thomas, eh bien, je vous laisse lui dire bonjour dans le chat. Thomas est un e-merchandiser chez nous, chez Matériel.net, et il va m'accompagner pour ce live aujourd'hui pour vous parler de cooling. On va parler de cooling ensemble aujourd'hui sous un angle un peu nouveau. Vous allez voir pourquoi. On va vous présenter quelques produits. On va vous parler de différentes technos. Mais tout d'abord, je voulais vous dire deux choses. D'une, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Thomas principalement, parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Mais Thomas a une vraie Bible. Vous avez l'habitude de voir Vincent à l'image d'habitude qui répond à vos questions techniques. Bon, Vincent est sympa, mais Thomas est plus calé. On va pas se mentir. Je dis ça parce que Vincent nous regarde juste à côté j'aime bien l'embêter. Donc d'une, posez toutes les questions que vous voulez sur le matos, sur le cooling, sur les pros, sur les cartes graphiques. Thomas essaiera de répondre au maximum de questions possibles. Si jamais je peux l'aider, je le ferai aussi. Deuxième chose, on va vous faire gagner des choses ce midi, des produits.
Puisqu'on a des partenaires avec nous, Couleur Master, G-Skill, AMD et Aorus, et on va vous faire gagner des lots Couleur Master principalement. Alors c'est du boîtier de la lime, il y aura 3 packs, boîtier plus Alim, Couleur Master. On va vous détailler un petit peu au fur et à mesure du live les différents lots qui sont à gagner. Je vois dans le chat déjà qu'il y a un petit écho. Alors, Kevin me fait non, il n'y a pas d'écho. Mais si, je t'assure, il y a Alex, l'Alex, salut Alex, content de te revoir, qui nous dit qu'il y a un petit écho. Et on a Hukogan aussi qui nous dit qu'il y a un petit écho en audio. Alors, c'est peut-être parce qu'on est trop près, je ne sais pas. Bon, Kevin va régler ça. On vous demande d'être compréhensif et ne pas faire attention à ce petit écho. J'étais obligé de la faire. Donc, des lots à gagner. Vous aurez des questions. On va vous poser des questions, des petits quiz, 3 petits quiz exactement, au fur et à mesure du live. Vous aurez juste à mettre la bonne réponse. Bien sûr, vous aurez des suggestions de réponses. Et on tirera au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner ces boîtiers que vous recevrez peu de temps après chez vous. On s'occupera de tout. Alors je vois que d'autres personnes disent qu'il n'y a pas d'écho. Bon, Alex dit rien de grave après, c'est juste pour le signaler. Bon, on va continuer comme ça. Kevin reste aux manettes jusqu'à la fin du live au moins. Après, on s'en débarrassera comme d'hab. Parce qu'il y a toujours un truc. Mais oui. Sinon, ce serait pas drôle. Alors Thomas, pour commencer, on va parler du boîtier. Si je ne m'abuse. Le boîtier qui est un boîtier Couleur Master SL600M, un tout nouveau boîtier, je crois, qu'on a en avant-première chez Matériel.net. On est premier à le commercialiser, en tout cas. On est le commercialiser, oui, tout à fait. Ok, top. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce boîtier? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Ben, c'est un boîtier tout simplement qui propose un système de refroidissement un petit peu novateur par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver à l'heure actuelle. Système de refroidissement en cheminée qui va vous envoyer l'air d'en bas jusqu'en haut sans déperdition d'air à l'avant, sur les côtés ou à l'arrière. D'accord. Voilà. Un boîtier plutôt, on va dire, haut de gamme, bien fini. On va aller, j'ai ma petite paluche comme souvent. On va aller après à l'intérieur du boîtier et on va voir un peu plus de détails techniques sur le boîtier en lui-même. Mais c'est la principale curiosité de ce live, c'est ce nouveau boîtier SL600M Couleur Master que vous pouvez retrouver aussi sur notre site. Salut, petit changement de caméra que j'adore. Et on le voit mieux ici, le boîtier. Vous le voyez de face et ça, c'est ouais. Top. A priori, le son de Thomas est nickel. C'est chez moi qu'il y a un écho. Bon, eh ben, c'est ma voix fait de l'écho. J'ai un don naturel. C'est sans doute l'environnement. Alors, je vois déjà des premières questions dans le chat. C'est parfait. Continuez à poser vos questions. On va y répondre dans quelques minutes. On peut déjà en prendre une première. Peut-être une question de Jarod 65. Bah oui, c'est pas dans le thème, mais bon, on va commencer par une question un peu générique et puis après on va passer à la présentation du SL600M. Une question de Jarod 65. J'ai une question. Vous aurez bientôt des 2080 Ti en stock. J'ai commandé mon PC, mais pas de nouvelles. C'est une bonne question. Est-ce qu'on aura bientôt des 2080 Ti? Alors, je crois que tu t'occupes pas des cartes graphiques, Thomas. Non. C'est Arnaud. C'est Arnaud. Ouais. Ton copain qui s'en occupe. On est tous copains. C'est comme ça chez Matériel.net. Est-ce que tu peux nous dire si on aura bientôt des 2080 Ti en stock? Parce que Jarod 65 s'impatiente. Il a commandé son PC. Il peut s'impatienter, mais il y en aura. Voilà, il va y en avoir. Après, c'est vrai que c'est difficile en termes d'appro. Ouais, voilà. Les 2080 Ti, c'est global sur le marché. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. On en a peu sur le site. Vous en trouvez peu, même sur les autres sites. Le meilleur moyen d'en avoir, c'est de faire comme Jarod 65, c'est de commander. Et puis, on sert les commandes les unes après les autres quand on en reçoit. Mais c'est vrai que ça arrive au compte-gouttes. C'est normal, c'est la rançon du succès. Quand il y a des bonnes cartes graphiques, ça arrache. On salue aussi Adrien Elrico qui est de passage. Salut Adrien, ça fait plaisir de te voir. Et merci à tous ceux qui nous rejoignent. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je vous invite à suivre notre chaîne Twitch ou à suivre notre chaîne YouTube. C'est important. Si vous aimez le contenu, vous recevrez des notifications et vous saurez quand on est en live. Vous saurez également quand on vous fait gagner des lots, parce qu'on va vous faire gagner des lots ce midi. 3 packs de boîtiers plus Alim.
Donc suivez-nous, au moins vous aurez l'opportunité de gagner tous ces lots-là. Il y a Vandek aussi, bon, je vois que toute la communauté de nos chers streamers Yann et Greg sont avec nous, donc ça fait plaisir. On va peut-être passer, Kevin, à la vidéo de présentation du SL600M, parce que Kevin nous a concocté une belle vidéo pour expliquer un petit peu ce que tu nous disais, Thomas, ce système de cheminée assez spécifique et assez novateur, je crois. Alors, on voit les images là à l'écran. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Voilà, les images de la vidéo défilent à une vitesse folle. Vitesse folle. Donc là, vous voyez principalement le design du boîtier, une vidéo 360. On le voit tourner, okay. Et on ne voit pas le système de cheminée dont on parlait à l'instant. Non, bah en fait, les ventilateurs de 200 mm, il y en a deux qui sont positionnés sur la base du boîtier. D'accord. Et qui donc vont envoyer un maximum d'airflow. Donc de flux d'air vers l'ensemble des composants en passant de haut en bas. Enfin, d'accord. En haut, pardon. Donc du bas vers le haut. Tout à fait. Et pas de haut en bas. Alors pour ceux qui ont regardé des lives aussi avant chez nous, j'ai l'habitude de vous dire et de vous expliquer un vieux principe qui est que normalement dans un PC, la circulation de l'air se fait de l'avant vers l'arrière avec une extraction de l'air extérieur à l'intérieur du boîtier et une extraction de l'air intérieur vers l'extérieur du boîtier. Ça, c'est une petite blague pour ceux qui ont suivi le dernier live et une petite dédicace à mon ami Vincent. Et là, en fait, le principe, c'est des ventilateurs qui sont en bas qui vont pulser de l'air vers le haut. On va prendre la paluche. Salut. Salut Thomas. Voilà, vous voyez là les ventilateurs, donc ils font 200 mm chacun. 200 mm 20 cm. D'accord. Donc c'est du gros ventilo déjà. Voilà. Moi, pour les anciens, on a l'habitude d'avoir du ventilateur de boîtier de 12 cm. Bon, bah là, c'est le calibre au-dessus. C'est plus gros, l'avantage, c'est que ça tourne beaucoup plus lentement, donc moins de bruit. Bah oui, effectivement. La vitesse de rotation du ventilateur est importante pour le dégagement sonore. Et en haut, ce qu'on voit ici, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a beaucoup de nos viewers qui ne connaissent pas énormément le matos, et on fait ces lives justement pour vous en apprendre. Qu'est-ce que c'est ça, Thomas? Alors là, on est sur un kit water cooling tout intégré de Cooler Master. Donc on voit le radiateur, les ventilateurs sont cachés dans le cartouche supérieur du boîtier. D'accord. Ils sont là pour refroidir le processeur. Ok, le processeur qui est sous ce petit... Voilà, sous la pompe. Sous cette pompe. Tout à fait. Qui est fixé sur le processeur. Alors vous voyez du RGB, hein, c'est de la mémoire G-Skill RGB, on en a mis parce que le RGB c'est la vie et on adore ça. Est-ce qu'il y a d'autres particularités sur ce SL600M, ce nouveau boîtier Cooler Master? On a principalement l'alimentation qui se trouve à un endroit peu commun. Beaucoup n'ont pas dû l'avoir justement avec la petite caméra. Donc elle est située à l'avant du boîtier. La partie avant qui se situe à l'avant. Pour justement ne pas bloquer le flux d'air qui arrive en bas du boîtier. La partie basse qui se situe en bas. Ok. Et on a une question d'ailleurs de Tramadol qui demande à l'avant aucun ventilo du coup. Exactement. Pas de ventilo à l'avant, pas de ventilo à l'arrière. Donc pas d'ouverture dans la mesure du possible pour faire mettre un flux. Oui. Un flux optimal. Exactement. Du bas vers le haut. Parce que si on mettait des ventilos à l'avant ou à l'arrière, eh bien ça viendrait contrer ça le flux. Ça casserait le flux qui arrive en bas. Et voilà, et ce serait complètement cassé. Contre-productif. Voilà. Alors, je vois une question sur les températures en charge, mais on en parlera juste après, je pense. Une fois qu'on aura un petit peu avancé sur le système de refroidissement. Je voyais d'autres atouts sur ce SL600M, le détail des matériaux peut-être, parce que c'est un petit peu particulier également. Alors on est sur de l'aluminium massif plutôt épais, toute la structure est basée sur de l'aluminium à l'extérieur, de l'acier très épais à l'intérieur, et on est sur un traitement au jet de sable sur l'ensemble de la surface, plutôt que l'aluminium brossé classique qu'on peut voir sur les boîtiers type... Yanli ou autre. Alors ça change quoi? Alors, ça change pas grand chose. Au lieu d'avoir des lignes, on a des petits trous. D'accord. Voilà. Okay. En fait, ça change juste l'esthétique. Exactement. Ouais, ça change l'esthétique. Ça lui permet d'avoir un aspect un peu doux au toucher. Pour ceux qui connaissent l'aluminium brossé, ça, effectivement, il y a un effet de petites lignes. Et là, effectivement, alors, je vais essayer de le montrer à la paluche. Voilà.
Merci Kevin. Bon, je ne sais pas si on va voir le grain. Ouais, si, non, on voit le grain. Voit pas mal. Eh bien, vous voyez, ça, c'est du traité au jet de sable. Voilà, traité au jet de sable sous pression. Donc, on a acheté un seau de sable dessus. Et puis, ça donne cet effet-là. Alors que le brossé, eh ben, on brosse. Alors, vous allez voir ma main délicate. On brosse comme ça et ça fait des petites lignes sur l'alu. Et en fait, on a du coup un rendu un petit peu différent. Et moi, je le trouve assez classe, ce boîtier Color Master. Franchement, c'est un design dont on n'a pas l'habitude. Est-ce que je peux te demander, parce que je ne l'ai pas vu dans notre préparation, merci Denis pour la préparation, mais il me manquait une info. Je suis obligé aussi de mettre un petit coup de rap à Denis à chaque fois, sinon c'est pas drôle. Le prix, ma chère Maryse, de ce magnifique boîtier. Alors on est à 199 euros. 199 euros, ok. Bon, voilà. Vous pouvez déjà le précommander sur le site quand vous voulez. Au niveau dispo, on en recevra quand ? Sous 7 jours à peu près, une semaine. 7 jours, ok. Ouais. Et Thibaut qui met le lien vers la fiche, super, comme ça vous pouvez voir les différentes caractéristiques. Je vois une remarque, c'est le pseudo est violet sur noir, donc c'est difficile à voir, mais je vois une remarque de GP. J'ai passe de bof, le même en micro ATX et c'est parfait. Oui, parce que j'ai passe de bof, il préfère le micro ATX et le format un peu plus réduit. Voilà, ouais. C'est vrai qu'on est sur une tour ATX. Assez grande, on va dire, on est sur du grand moyen tour. Le micro ATX, a priori, est à l'étude. D'accord. Donc, à voir, c'est un projet. Top, il suffit de le demander très fort et puis on aura une version micro ATX. En tout cas, peut-être. On remontera la remarque de ce cher viewer à Color Master. Justement, au niveau des formats, c'est une habile transition. Ce boîtier prend quel format, Thomas ? ATX, micro ATX, mini ATX pour peu qu'on en ait réellement l'utilité. D'accord. Et vous allez voir sur pas mal de fiches produits sur internet qu'il prend l'extended ATX également. Le EATX, ouais. Voilà, à savoir que ce n'est pas recommandé par Color Master. D'accord. Justement, parce que ça bloque en fait les ouïes qui permettent de faire passer les câbles pour un passage de câbles propre. Donc nous, on a mis en place une carte mère extended ATX pour que justement on puisse voir ce petit souci. Oui. Alors je me penchais, je regardais parce que je regardais si on pouvait avoir les ouïes, mais non. Les ouïes, elles sont de ce côté-là. Elles sont où ? Ben là où sortent les câbles type 20 broches, ici. Elles sont juste sous la carte en mer en fait. D'accord. Et justement, il reste très peu de place pour pouvoir faire passer les câbles. Les ouïes en fait, c'est ça. C'est là où passent les câbles. C'est là où il y a les petites protections en caoutchouc. Et en fait, le ATX va venir boucher une partie de ces ouïes et le passage des câbles va être beaucoup plus compliqué. Bon, très bien. Donc, on se limitera au ATX. Formidable. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le quiz, je pense, le premier quiz. Est-ce que vous êtes prêt en régie pour lancer le quiz ? Vous êtes prêt ? Super, succès fou. On va lancer la première question pour gagner un boîtier Color Master, Masterbox MB511. Alors Thibaut, normalement, devrait vous mettre le lien dans le chat vers le boîtier. C'est accompagné d'une alimentation Color Master MWE Gold 550 FM. On remercie encore Color Master pour ces jolis lots que vous allez pouvoir recevoir et gagner. Alors, Kevin, est-ce que tu as le quiz ? Super ! Alors, dans le chat, ce que vous faites, c'est que vous mettez la lettre de la bonne réponse et puis on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Donc, à un moment, je dirais stop, il faudra arrêter de spammer les réponses. Et puis, on donnera le nom du gagnant. Donc, comment se nomme le principe de refroidissement du boîtier SL600M de Color Master ? Thomas l'a dit et expliqué. Ceux qui mettent la mauvaise réponse, vous pouvez sortir. Alors, est-ce que c'est A, cheminée ? B, poêle à bois ? C, radiateur ? Ou D, pompe à chaleur ? C'est très drôle, Kevin. Je suis ton premier fan. Donc je vous laisse mettre les réponses. En attendant, on va peut-être répondre à quelques questions. Sengokil qui demande qu'y a-t-il comme liquide dans un water cooling, Thomas ? Alors techniquement, c'est alors dans les AIO comme ça, c'est un liquide de refroidissement permanent. D'accord. Qui n'a pas besoin d'être renouvelé et qui a une durée de vie particulièrement longue.
D'accord, et c'est du liquide avec un traitement particulier Est-ce que des petites algues viennent se... Peut-être pas non plus. Est-ce que de la vie naît au sein d'un système water cooling? Est-ce qu'un jour un poisson pourra naviguer dans le PC? Non, je pense pas non plus. Non. Ok, bon, c'est du liquide spécifique bien sûr. Et l'avantage des systèmes water cooling Cooler Master All-in-One, comme vous le voyez là, on les appelle All-in-One parce que tout est incorporé, on n'a pas à découper ces tubes ou à mettre, à remplir soi-même le liquide dans la pompe. On vous fera d'ailleurs un live si un jour vous voulez sur du water cooling comme ça. On n'a pas à le remplir soi-même ou à... Ça s'appelle du All-in-One, c'est tout prêt. Et donc là, le liquide est mis à l'intérieur et il n'y a pas d'entretien. Voilà, on me dit que c'est du liquide déminéralisé. Voilà, on me dit dans l'oreillette, c'est le terme technique. Merci Sylvain pour la précision. Une autre question de Maxo Bocop qui nous demande pour la poussière, il y a des filtres que l'on peut retirer sur... Alors, ce SL600M oui, justement sur toute la base, on a un filtre à poussière. Tu as le tiroir juste là. Ah, formidable. Je vais... Voilà. Je reprends la peluche, Kevin. Voilà, je vais essayer d'y aller doucement pour pas vous faire vomir. Focus, voilà. Regardez. Voilà, donc un grand filtre à poussière qui fait toute la profondeur du boîtier quasiment. Tout à fait. Pour éviter de faire rentrer justement. On peut aussi y poser un mug. Ça fait peut-être un moyen. Peu lourd. Moyen. Effectivement. Mais ça permet de nettoyer la poussière qui peut se mettre à l'intérieur. Je tiens, continue à tenir la paluche alors que c'est plus à l'image. Merci Maxo Bocop pour ta question et n'hésite pas à en reposer. On répondra à ta question sur les températures juste après. Je vois une question de Maosama 974 qui demande: on va pouvoir bien voir l'intérieur du boîtier après? C'est sympa. Merci, parce que je trouvais que je l'avais pas trop mal filmé, mais bon, je vois que c'est pas assez bien pour toi. Je tâcherai de m'améliorer juste après. C'est vrai qu'avec la paluche, c'est un petit peu compliqué. En plus, j'ai la tremblote, donc voilà. mais je tâcherai de te le montrer mieux. Compte sur moi. Le gagnant du concours et du premier lot boîtier plus alimentation, du MB511 Cooler Master, comme je le disais, c'est J'ai pas de bol. Qui gagne le bol. Voilà, donc c'est tombé sur toi, J'ai pas de bol. Tu vas pouvoir changer ton pseudo. Voilà. Et bien sûr, donc tu vas recevoir un message de Thibaut qui va te demander ton adresse mail pour pouvoir te contacter, pour avoir ton adresse postale et puis qu'on puisse t'expédier ce magnifique boîtier Cooler Master et cet alim. Bravo, J'ai pas de bol. Et merci Cooler Master. On continue. Ensuite, je tourne la page, mais alors que c'est juste sous les yeux. Le water cooling, justement. Le Master Liquid, on en a parlé un petit peu, mais là, le kit qu'on a mis, c'est un modèle un peu spécifique. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, c'est un modèle qui est uniquement dédié donc, au socket STR4, donc uniquement pour les Threadripper, les processeurs les plus puissants de chez AMD. Alors, tu m'as perdu à dédié. Dédié, c'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas être monté sur les autres. Oui, alors, mais c'est les mots d'après que j'ai pas compris. D'accord. Donc, tu m'as dit Threadripper. Qu'est-ce que c'est Threadripper? Donc, le processeur le plus puissant de chez AMD à l'heure actuelle. D'accord. Sur socket STR4, d'où la dénomination TR4 pour ce kit water cooling. Donc, c'est une édition limitée Threadripper 4, effectivement, voilà, qui est faite pour les derniers processeurs AMD. Exactement. Les plus puissants de la marque. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de spécial, en fait, ce kit de water cooling? Ben, il est équipé en fait... Rien. Ben rien. Ok, question suivante. En fait, il est équipé pour... c'est la première gamme en fait des IO Cooler Master à être équipé de ventilateurs Silencio FP de chez Cooler Master, donc qui ont généralement un excellent équilibre entre le bruit et la pression statique de l'air, donc leur propension à pénétrer, entre guillemets, le radiateur. oui. L'air pénètre, bon voilà, il n'y a pas de problème. On voit une petite vidéo de notre ami Kevin qui montre justement un unboxing de ce kit de water cooling ML360. Alors il faut signaler que il y a normalement du RGB avec un contrôleur RGB inclus. Là sur le proto, vous ne le voyez pas, vous voyez le RGB que sur les barrettes de RAM parce qu'on n'a pas installé d'OS encore dessus et du coup le contrôleur RGB ne peut pas activer
le RGB. Exactement. Mais bien sûr, il y a un contrôleur RGB inclus. La surface du radiateur, c'est peut-être ça aussi qui... On est en 360 mm, donc ça aide considérablement. 360 mm en alu. Aluminium. D'accord. Ouais. Donc pour une meilleure dissipation. Une question de Timbaland 7 qui demande Threadripper, le AMD à 1300 €. Est-ce que c'est ce processeur-là qui est dans la machine? Non, là on est sur le 2990 WX, donc c'est vraiment le modèle le plus haut de gamme de la série. On est pas loin des 1600, je crois, 1600, 1700. 1600 €, ouais. Voilà, Timbaland 7, t'étais bien en dessous de la vérité. 1600, 1700, alors voilà, c'est le plus puissant, c'est aussi celui qui a le TDP le plus élevé. On est à 250 watts de TDP. D'accord. Donc, il faut ce qu'il faut pour le refroidir, et là-dedans, il est très bien refroidi. Ouais, c'est à peu près deux fois, alors tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est à peu près deux fois plus que déjà des processeurs avec un TDP élevé. Ouais, c'est même plus que deux fois plus. Ouais, voilà. Ok. Donc, effectivement, pour ce processeur-là, clairement, on va conseiller un kit de water cooling. Exactement. Ventirad va avoir tendance à souffler. Ventirad aura un peu de mal. Ouais. Il y a que deux modèles sur le marché à l'heure actuelle qui sont capables de refroidir efficacement un TR4. D'accord. Bon, okay. Un chez Cooler Master également. Un modèle Cooler Master, ouais, qui va bien le ventiler, mais qui va avoir tendance peut-être à souffler et donc à... Il va souffler plus fort, il fera plus de bruit que le kit water cooling, tout à fait. Ouais. Ouais. Ok. Bon, très bien. Une question de Jarod65 qui demande si water cooling est plus performant que le X72, point d'interrogation. Alors, dans l'absolu, oui. Il sera plus performant que le X72 et NZXT. Et il fera un peu moins de bruit au niveau de la pompe. D'accord. Ouais. Et il est peut-être aussi un petit peu plus cher? Non. Non? Même pas. Alors, il est mieux et en plus, il est au même prix. C'est quoi le prix de ce système water cooling, le ML360? Alors, objectivement, je ne me rappelle pas. Très bien, merci. On va demander à Thibaut et à Denis de nous mettre le lien dans le chat, ouais, histoire que vous puissiez voir le prix de ce kit de water cooling. Mais voilà. on va. Je voyais une petite. Une petite affirmation de la Wouf ou une petite question de Woufeuse qui demandait pourquoi il n'y a qu'un ventilo qui tourne sur la carte graphique. C'est vrai ça? Très bon œil la Wouf, qu'on salue d'ailleurs au passage. Il n'y a qu'un ventilo qui tourne sur la carte graphique, c'est étonnant. Pourquoi, Thomas, s'il te plaît? C'est normal, parce que là, comme il n'y a pas de Windows d'installer, la carte graphique n'est pas stressée. Les ventilateurs n'ont pas besoin de tourner en permanence pour la refroidir. Oui. Donc, il arrive parfois qu'un ventilateur se déclenche, puis après s'arrête. Formidable. Ouais. En fait, la carte graphique ne fait tourner que le strict minimum. Exactement. Histoire de dissiper le minimum de bruit. Effectivement, on a commencé l'informatique peut-être un peu au même moment. Et à notre époque, alors je parle de ça, la plupart d'entre vous étaient pas nés chez vous. Mais une carte graphique, ça tournait H24 à 100% et ça faisait un bruit d'enfer. Là, maintenant, bah, c'est intelligent. Il n'y a pas besoin de tourner, ça tourne pas. Voilà. Formidable. Alors, ensuite, on avait dit qu'on allait montrer un petit peu de la carte mère. Ouais, tout à fait. On le fait. Je vais essayer de montrer l'intérieur du boîtier. De manière plus claire. De manière exceptionnelle. Voilà. Parce qu'on m'a fait remarquer que c'était pas top top. Donc, je m'approche doucement. Vangelis, c'est ça? C'est chariot de feu, pour ceux qui connaissent c'est pas. C'est ça, exactement. Un point au blind test. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer sur la carte mère? Oui, le radiateur. Le radiateur, ouais, qui se retrouve au niveau des connecteurs arrière, qui est équipé en fait sur cette carte mère d'un système de ventilation intégré. Donc, on ne le voit pas, on ne l'entend pas non plus. Et il permet de refroidir très efficacement les régulateurs de tension, c'est-à-dire ce qui va apporter le courant au processeur. D'accord. Ouais. Très très bien. C'est une carte mère, donc comme on l'a dit, c'est une carte mère Aorus Extreme X399. C'est le très très haut de gamme du constructeur. Oui. Qui apportera, on va dire, toutes les options possibles qu'on veut sur ce type de carte mère. Ce que je montre là n'a strictement plus aucun intérêt. une question de Loli Girl.
voilà, bon, on va dire que c'est ça, qui pose la question, le boîtier est conçu pour placer la CM en frontale. Alors j'imagine que la cette CM, personne dit que CG, le boîtier peut-être. Est conçu pour placer la CG en frontale, CG. La carte graphique. Thomas ? Alors, oui et non. D'accord. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de placer la carte graphique dans les deux sens. La plaque arrière, alors peut-être la montrer. La plaque arrière, je vais montrer la paluche. Donc la plaque arrière qu'on a ici, à l'arrière, peut être tournée dans un sens ou dans l'autre pour justement s'adapter au montage de la carte graphique ou pouvoir mettre plusieurs cartes graphiques dans ce sens. D'accord. Et tout dépendra également aussi de ce que le joueur souhaite privilégier en termes de refroidissement. S'il veut un refroidissement énorme de sa carte graphique parce qu'il fait un gros overclocking, bah, il mettra la carte graphique à l'horizontale. Et s'il souhaite un refroidissement équilibré de l'ensemble des composants, à la verticale, comme sur la configuration qu'on a faite ici. Parce que nous, on aime bien quand c'est équilibré. Formidable, très bien. On a une autre question d'une personne qui vit en 1996. Une question de Nagrom qui demande, chose très stupide, mais il y a moyen de mettre un lecteur CD pour ceux qui le souhaitent sur ce boîtier? Pas du tout. Voilà, désolé Nagrom. Somme en 2018. Il faudra que tu jettes tes CD ou tes DVD. Et effectivement, la plupart des boîtiers maintenant n'ont pas d'emplacement pour ce type de lecteur. Les constructeurs passent au fur et à mesure au tout USB. Exactement. C'est-à-dire on branche des disques durs externes, on branche des clés USB et non plus des CD ou des DVD. Ou des graveurs externes. Oui, ou des graveurs externes en USB. Voilà, tu as cette possibilité-là aussi, Nagrom. Et bien sûr, je plaisantais, ne prends pas mal mes boutades. C'est pour essayer de faire rire les trois viewers qui nous regardent. Donc, la séquence suivante, on va parler de la RAM. Tout à fait. On s'était dit à la répète, Thomas. Exactement. La RAM G-Skill, c'est une RAM G-Skill Trident Z RGB DDR4 8x8Go 2933 MHz CAS14. Voilà, c'est fait. C'est fait. Je l'ai passé. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette RAM? Alors, RAM de métro, bien sûr. Bien évidemment. C'est celle qui aura à l'heure actuelle les timings les plus bas à cette fréquence. Et également un radiateur, justement d'où son nom, en Z, avec le refroidissement acheminé du boîtier. Ça permet à l'air de passer d'un côté de la barrette, puis de l'autre côté de la barrette, pour aider au refroidissement efficace. Alors j'essaye de vous montrer le radiateur en Z. C'est pas évident. Et c'est pas évident, d'autant plus que le RGB Bouge tout le temps. Vous flash les yeux. Mais en fait, en Z, parce qu'on a un bout de radiateur ici, et un bout de radiateur de l'autre côté ici. Vous voyez, bon, et au milieu, il y a le RGB qui forme une sorte d'éclair. Bon, voilà, c'est la petite particularité de ces barrettes mémoire qui ont une capacité de dissipation supérieure à normale. Exactement. C'est ça ? Oh, j'ai tout bon. Je vais pouvoir faire des fiches. On va passer au quiz suivant. Le deuxième quiz, puisque vous êtes tous impatients de pouvoir gagner un boîtier Couleur Master et une Alim Couleur Master. Alors le deuxième lot, il est de l'autre côté de ma feuille, c'est un Couleur Master Masterbox MB520 TG-RGB noir plus une alimentation Couleur Master MWE Gold 650 FM. J'adore quand même travailler sur ce marché parce qu'on a des noms géniaux. Top. C'est quand même tellement, tellement mieux. Donc un ensemble boîtier plus Alim d'une valeur de 159€. Donc on ne se moque pas de vous non plus. Les Couleur Master ne se moquent pas de vous. Les questions. Le quiz, Kevin. Voilà, changement de plan pour ça. Salut les caméras. Donc même principe que tout à l'heure. Vous mettez vos réponses, vous spammez de réponses. Et puis on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Et pendant ce temps-là, on répondra à quelques autres questions que Thibaut nous aura mis sur l'écran. La question, quel est le socket des processeurs Threadripper ? Réponse A, LGA 2066. Réponse B, TR4. Réponse C, AM4. Et réponse D, 1151. Alors, je vois du A, les gars. Il faut le dire si vous écoutez pas. Je me suis fait suer, pour pas dire autre chose, à dire le nom du Water Queen, à répéter ce que c'était. Alors écoutez, s'il vous plaît, prenez des notes, c'est pas possible.
On va répondre peut-être à une ou deux questions en attendant. Question de Maxo Bocop qui demandait, est-ce qu'on peut avoir les températures en charge, c'est-à-dire quand on fait du gaming, sur le CPU et GPU, alors notamment AMD et Intel. Alors on va pouvoir parler, Maxo Bocop, peut-être plutôt de cette machine en AMD, puisque c'est notre partenaire sur ce live. CPU et GPU, des idées de température normale, Thomas, selon toi. Normal. Toi, t'acceptes quoi dans ta machine ? Sur Spross, on va accepter plus que sur les autres. D'accord, parce que très puissant. On reparle du TDP. Voilà. Le 250 TDP, ça veut dire quoi ? C'est pas grave. Thermal dissipation. Après, je pense qu'il faudra voir avec Sylvain. Ouais, voilà. Je ne me rappelle pas de l'acronyme. Bon, et là, on vous le dira dans un prochain live. Mais en gros, c'est la mesure de dissipation thermique. C'est la propension de dissipation de chaleur. Et vous avez des processeurs à 250 watts, comme le processeur AMD ici. Vous avez des processeurs à 95 watts, comme les Ryzen, par exemple. Voilà. Et donc, oui, voilà. Et sur celui-ci, en 250 watts, est-ce que tu as une idée de la température en charge qu'on peut avoir sur CPU ? Avec un refroidissement comme celui-ci, on devrait quand même déjà monter jusqu'à 70 degrés, 75 degrés. 70 degrés, ouais, d'accord. Alors que, bon, une température normale, on va répondre un petit peu à ta question, Max Obocop. En règle générale, que ce soit AMD ou Intel, on tourne à quoi ? Aux alentours de 50 degrés ? Une cinquantaine de degrés, 50, voilà. 55 degrés en utilisation normale, jeu ou autre. Ouais, voilà. Si vous atteignez du 70, 80 degrés, 90 degrés avec votre proche, qui n'est pas ce type de processeur, assez spécifique, on le disait, mais si vous avez un proche qui n'est pas surpuissant et que vous atteignez des températures de 70, 80, 90 degrés, faut essayer de résoudre le problème. Consultez notre service client, appelez-les, passez dans nos magasins et envisagez de faire quelque chose parce qu'à un moment, il va cramer. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais il va cramer. Et un GPU ? Là, on est sur une Vega, donc ça monte assez haut en température. Oh, on peut taper dans les 80 degrés en burn bien chaud. Sous des jeux un peu exigeants, on va être dans ces températures-là également. D'accord. Ouais. Bon, voilà, ouais, 80 degrés, on voit même des cartes graphiques monter un peu plus haut. Ah oui, on a des cartes graphiques qui montent à 100. Ouais, voilà. Et là, c'est pas aussi alarmant que sur un pros. Non. Voilà. Mais nous, enfin, sur les PCMatériel.net, on essaye de pas dépasser les 80-90 degrés. C'est vraiment le max qu'on s'autorise pour expédier une machine chez un de nos clients. Voilà. Est-ce qu'on a un gagnant ? Oui, me dit Thibaut, on a un gagnant. Est-ce que je vous le dis ? Oui. Allez, trêve de chercher une blague même. Il y en a marre des blagues. Macadamus, félicitations à toi. Tu as gagné le boîtier Cooler Master. Je le rappelle, le MB520 et l'alimentation 650 watts. Donc Thibaut va prendre contact avec toi en MP pour avoir ton adresse mail. Et puis on l'expédiera chez toi le plus vite possible, c'est-à-dire sous 4 à 5 mois. Il y a un dernier quiz, restez avec nous. Puisqu'on va parler de l'alimentation pour finir, on va parler de l'alimentation. Allez. Parce que je pense que c'est tout ce qui nous reste à dire. Et on vous fera ce dernier quiz au cours de juste après avoir parlé de l'alimentation justement. Alors l'alimentation, quelle est-elle s'il te plaît, Thomas ? Alors on est sur une V1000 de chez Cooler Master. Oui. V1000 pour 1000 watts. Formidable. Voilà. C'est quand même bien fait. Les noms sont compliqués. Mais parfois, ça rime quand même à quelque chose. Donc pour une configuration comme ça, c'est un dimensionnement qui est plutôt bien choisi. On est sur des cartes graphiques Vega 56, 64 qui nécessitent entre 750 et 850 watts dans le système. D'accord. Pour fonctionner correctement. Bon. Donc avec un pros comme celui-ci, c'est ad hoc. On a préféré... voir large. Ouais. Voilà, ça évite l'alimentation de trop chauffer. Exactement. Et de trop consommer. Et puis, ça permet éventuellement d'overclocker un peu. Un petit peu. Mais il ne faut pas trop pousser avec ces composants-là. On est déjà sur du surpuissant, donc aller overclocker du surpuissant, bon, c'est utiliser une sulfateuse pour tuer un poussin. Voilà, il va y avoir une grosse facture EDF. Calmez-vous, ne tue pas de poussin. Faut pas. Elle est full modulaire ? Ouais, full modulaire. On a un ventilateur de presque 14 cm, donc 13,5 cm. D'accord. Silencieux et efficace. Et on va peut-être passer à la paluche, juste pour montrer. Hop, on ne la verra pas.
Et je voulais pas forcément vous montrer ma chemise en gros plan, c'est une erreur de manip. On la voit pas. Ah non, oui, elle est où? Elle est cachée dans le cartouche. Elle est là-dedans. Voilà, c'est ça. Qui est à l'avant du boîtier. Voilà. Et pourquoi elle est à l'avant du boîtier? Pour ne pas casser le flux d'air. Et voilà. En cheminée. La boucle est bouclée. Le flux d'air en cheminée dont on parlait au départ. C'est quand même bien fait. Bravo, Couleur Master. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cette Alim? Non? Ah si! Si! Si, il y a plein de fois où en live j'ai dit des bêtises sur les alimentations et les certifications des alim. Et à chaque fois, Thomas, au sortir du live, il me disait « t'es nul ». Parce qu'en fait, Thomas, il s'occupe des alim. Et donc, oui, je suis nul en alim. Thomas, il connaît vraiment. Et où j'ai dit la plus haute certification, alors à un moment, j'ai dit que c'était platinum. Et là, on a du titanium au-dessus. Voilà. Ouais. Et parce que moi, je suis resté comme notre viewer de tout à l'heure en 1996. Mais non, il y a du nouveau. Les certifications, c'est quoi, Thomas, s'il te plaît, en alim? Alors, on a le white, oui. Bronze, silver, gold, platinum et titanium. D'accord. Et ces certifications, ça dit quoi? Plus elle est élevée, plus le rendement de l'alimentation sera élevé. Donc, pour donner 100 watts, elle n'aura pas nécessairement besoin de 120 watts, 130 watts ou 150 watts pour les donner. D'accord. Et les titaniums sont donc les plus hautes. Là, celle-ci, cette alimentation Couleur Master V1000, elle est sur du gold. Gold. Donc voilà, une très bonne certification déjà. Ce n'est pas parmi les plus hautes, mais très très efficace et puis largement suffisante pour une utilisation gaming. Exactement. Très bien. On va prendre peut-être une autre question qui est celle de Bouche d'Ave. C'est quoi la taille max d'un all-in-one et est-ce que c'est mieux de prendre la plus grande taille? Alors, est-ce que la taille compte, Thomas? Alors, on va dire que oui. Oui, c'est ce qu'elles disent toutes. Je plaisante. Qu'est-ce que ça fait, la taille max d'un all-in-one? Plus le radiateur sera grand, plus il y aura de surface de dissipation. D'accord. Donc, plus le refroidissement sera efficace. Ok. Et l'avantage, c'est qu'il y aura aussi plus de ventilateurs, donc ils pourront tourner plus lentement et faire moins de bruit. Voilà. Moins de nuisance sonore. C'est toujours ça. Moins les ventilateurs tournent vite, moins il y a de bruit. C'est bon? Exactement. Allez. Très bien. Je vois qu'on n'a plus trop de questions. Donc ça veut dire que vous vous lassez, et c'est normal. Alors on va passer au dernier quiz. Le dernier lot à gagner, c'est un boîtier Couleur Master Mastercase H500 et une alimentation Couleur Master MWE Gold 750 FM. Rien à voir avec la radio. D'une valeur de 200 euros, tout ça. Ouais. Et le dernier quiz, quel est-il? Kevin, merci. C'est ma préférée. Hein, donc c'est la question préférée. Alors vous spammez la bonne réponse dans le chat et on tire au sort parmi les bonnes réponses, bien sûr. G-Skill est un spécialiste de la RAM, réponse A. La RAM avec un E, réponse B. Lara, réponse C, comme Catherine. Ouais. Et réponse D, la RAM. Alors là, je ne sais pas, ça sort de l'esprit torturé de Kevin. Ah, ça, oui. Bien sûr, je suis bête. La RAM, comme dans League of Legends. Effectivement. Donc, vous mettez la bonne réponse. Là, je veux voir que des A, bien sûr. En attendant, on va dire juste un petit mot. On va répondre à une question de No More FPS. c'est normal qu'il n'y ait plus de 1080 Ti, enfin très peu? Point d'interrogation. Alors oui, c'est tout à fait normal. Elles arrivent en fin de vie, ne sont plus fabriquées par Nvidia. Donc, les stocks vont s'épuiser au fur et à mesure du temps. Ok. Parce que remplacé par les RTX de 2080 Ti. 2080 Ti, bah oui. Voilà. Oui. Effectivement, et on monte en puissance et en gamme. Alors, je vois Alex qui dit oui, Kevin, entre les questions pourries et la musique. Oui, c'est lui. La musique est bonne, mais les questions sont pourries. Tu l'as dit, Alex. Je vois une autre question de Eolitique 34 qui demande pourquoi il n'y a plus de RAM blanche sur le site. Pourquoi? C'est une bonne question. Voilà, c'est une bonne colle. C'est une très bonne question. Tout simplement parce que chez nous, le blanc marche pas bien fort. Ah voilà. Réponse très flanche. Très franche. Voilà. Très flanche. Très franche, Eolitique. C'est juste qu'on n'en vend pas
Donc exactement. Du coup, bah, si on n'en vend pas, bah, on n'en met plus. Alors, si jamais tu as envie de rame blanche... On peut toujours en avoir. Voilà. Contacte notre SRC, on est là aussi pour ça. On est des personnes, comme vous le voyez. Derrière le site, il y a des humains avec un cœur. Si tu as envie de rame blanche, bah, tu demandes à notre service client, tu les appelles, c'est un numéro dans le 02 près de Nantes, tu les appelles, c'est non surtaxé, et tu leur demandes, est-ce que vous pourriez avoir de la rame blanche? Et le SRC va contacter Thomas et ses collègues, et on va te trouver de la rame blanche. Mais effectivement, il y a très peu de demandes pour de la rame blanche, donc du coup, bah, on a arrêté d'en faire. Voilà, le gagnant du quiz, du dernier quiz, et qui gagne un boîtier, une alimentation couleur master pour une valeur de 200 euros, eh bien, c'est toi, Hackers 0602. Vous y avez cru tous derrière votre écran. Eh bien non, c'est Hackers 0602. GG à toi, tu vas être contacté par Thibaut, qui va te demander ton adresse mail et qui va te demander ton adresse postale ensuite pour qu'on puisse t'expédier ce boîtier et cet alim. Voilà. Ce live touche à sa fin, je pense. On n'a plus de questions? Oui, on n'a plus de questions? Non, plus de questions? Tout le monde a envie d'aller manger? Eh bien, on va y aller, Thomas. On vous remercie tous pour votre attention. On remercie Couleur Master, G-Skill, AMD et Aorus de nous avoir accompagnés sur ce live. Merci de nous avoir fait confiance. Si ça vous a plu, abonnez-vous. En tout cas, suivez-nous. On ne vous demande pas de payer, juste cliquez sur le petit cœur qui est en haut de votre fenêtre pour nous suivre, pour recevoir les notifications quand on est en live. Parce que nous, on aime bien vous parler, on aime bien répondre à vos questions. Alors, si vous aimez en poser... Suivez-nous, et puis y a toujours des lots à gagner. Enfin, toujours. Pas toujours. Souvent. Je ne vais pas vous la faire à l'envers. Souvent, des lots à gagner. 9 fois sur 10, il y a des choses à gagner. Donc, en plus, vous pourrez repartir avec des produits. Donc, Kevin me dit live jeudi. Alors, on est jeudi, oui, mais c'est jeudi prochain. Hey. Jeudi prochain, il y a un autre live. C'est le dernier live de 2018, c'est ça? C'est le dernier ou l'avant-dernier? C'est le dernier, oui. Bah oui, parce que la semaine d'après, ce sera fini. On fêtera la bonne année. Donc, dernier live jeudi prochain, c'est à quelle heure? Midi? Pareil. Et c'est quoi? C'est sur le retour de toute l'année. C'est un bilan de l'année. Donc, voilà. Et il y aura des cadeaux à gagner. Ouais, alors, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. On vous mettra les cadeaux qu'il y aura à gagner. On vous mettra la valeur des cadeaux. Comme ça, vous pourrez voir qu'on ne se moque pas de vous. Voilà, rendez-vous jeudi prochain midi. Merci Thomas. Merci Stéphane. C'était une chouette première, c'était sympa de t'avoir. Et puis merci à tous de nous avoir regardés. À bientôt. Bye Twitch, bye YouTube.